Mais si vous présentez-vous et dites en quoi vous êtes une victime de la crise post-électorale. Je m'appelle Bama Makurako. Je suis une victime de la crise post-électorale. Ça là. Bon, moi, on m'a envoyé à l'école de police où j'ai été torturée, violée. Et j'ai perdu. Bon, grâce aux tortures, bon, j'étais en début de grossesse, la grossesse a passé. Et j'ai été même. J'ai été tellement frappée que je suis tombée évanouie. Vraiment, moi, je suis très très mal à l'aise. Parce que non. Ceux-là, ils ont fait la réconciliation sans les victimes. Franchement, ils ont fait la réconciliation sans les victimes. Donc vraiment, moi, je me sens très mal à l'aise. Je ne veux même pas entendre même que Alassane attend de recevoir même Gbagbo, la personne qui nous a tués. Et Alassane même là, il a choisi entre Gbagbo et les victimes. Hein? Nous, moi-même, la fois passée, j'ai dit ça. J'ai dit, mais le président Ouattara, il n'a qu'à choisir entre les victimes et Chosa Kona et Gbagbo. Parce que c'est nous qui avons donné nos poitrines. Hein? On a saigné pour lui. Et maintenant, voilà ce qui se passe. Franchement, c'est écœurant, quoi. Merci. Au mois de janvier, la presse internationale s'est fait l'écho. Des cas de viol survenus ici, hein, il y en a eu certains, mais au plan national, on a été totalement. Tous ces cas de viol ont été totalement banalisés. Est-ce que ce n'est pas assez regrettable de banaliser aussi des actes aussi répréhensibles que le viol, surtout le viol des femmes? C'est vrai, c'est vrai. Mais il faut dire que ces cas de viol, ce sont. Dans un contexte politique assez spécifique. Et voilà. Mais oui, mais est-ce qu'on doit tenir compte de l'appartenance politique d'une violée? Ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas l'appartenance politique de la violée. Le problème, c'est pourquoi les gens manifestaient. Est-ce que vous voyez? Pourquoi les gens manifestaient? Et à quel moment ces viols-là se sont produits? Et c'est ça. Et dans la mesure où les Ivoiriens désapprouvaient totalement les raisons de ces manifestations, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mmh. Il y a eu l'amalgame politique, il y a eu la désapprobation de la population. Cela fait qu'aujourd'hui, les enquêtes se déroulent, mais que, bon, les gens se disent un peu, c'est peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché cela. C'est peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché cela. C'est peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché cela.